Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live de la rédaction de Journal du Golf sur Facebook. On s'était quitté il y a 6 mois à la fin d'un premier confinement. Malheureusement, on se retrouve 6 mois après, c'est qu'il y a un nouveau confinement. Je suis avec Pascal Grisot, le vice-président de la Fédération française de golf. Bonjour Pascal. Bonjour. La dernière fois qu'on vous avait eu sur notre Facebook, c'était pour annoncer la reprise du jeu, c'était juste avant le 11 mai. On sait que là, voilà, le gouvernement va faire des annonces probablement la semaine prochaine. Est-ce que vous avez des nouvelles quant à la possible réouverture des golfs, Pascal ? Des nouvelles définitives, non, parce que tant que le conseil de crise n'aura pas donné son avis définitif, il y aura des arbitrages jusqu'au dernier moment, mais on se trouve un peu dans la même configuration qu'au premier confinement, une semaine avant la date qui nous avait permis de rejouer sur les golfs. Donc, c'est maintenant qu'il faut intensifier les mesures qu'on met en place, les différents contacts qu'on a établis. Ce qui est certain, je dis certain, si on peut imaginez quelque chose de certain. En tout cas, le ministère des Sports nous a dit que ce sera certain que l'on pourra rejouer au golf au mois de décembre. Maintenant, la bonne question, c'est de savoir à quel moment, à quel jour du mois de décembre. Et évidemment, ce que nous souhaitons, Fédération, c'est que ce soit le plus proche du 1er et le plus proche de samedi prochain, puisque les commerces de proximité devraient rouvrir samedi prochain avec une jauge qui a été fixée à à une personne par 8 mètres carrés. Donc, inutile de vous dire qu'avec le golf, évidemment, on n'a pas ces problématiques-là. Donc, c'est pour ça qu'on intensifie notre action pour arriver à être déconfiné dès la semaine prochaine. Christophe Munieza, le directeur exécutif de la Fédération, a pris la parole hier sur le site de la Fédération, justement. Et donc, il dit que les deux possibilités, c'est soit le 1er décembre, soit début décembre, soit pour les vacances de Noël. C'est ça, les deux échéances possibles, Pascal ? Oui, c'est ça. Alors, c'est ou bien on aurait les jeunes qui seraient déconfinés. Donc, les jeunes golfeurs pourraient rejouer au golf. C'est ce qui est une des hypothèses. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les jeunes et je suis ravi s'ils peuvent rejouer, mais c'est évidemment pas quelque chose qui nous satisfait. Et on fera tout pour étendre ce droit de jeu à tous les licenciés et à tous les golfeurs français parce que moi personnellement en tout cas je suis furieux contre la mesure qui a été prise par le CNOSF parce que il y a eu une réunion cette semaine, je crois que c'était mardi, où le président Macron a réuni le monde du sport, et donc le monde du sport était représenté entre autres par le CNOSF, et le CNOSF a prôné un déconfinement partiel, c'est-à-dire un déconfinement d'abord des jeunes, et évidemment c'est une mesure qui est non seulement pas courageuse, mais en plus de ça, très politique, parce que les 5 plus grosses fédérations du CNOSF ont 85% de leurs licenciés qui ont moins de 20 ans. Donc, ce n'est absolument pas une mesure qui a été prise dans l'intérêt général, mais c'est une mesure qui a été prise uniquement pour favoriser les 5 plus grosses fédérations nationales. Et ça, c'est une erreur, une très grosse erreur qu'a fait le CNOSF, et c'est une erreur que le CNOSF va forcément payer un jour ou l'autre, parce que la décision qui a été prise est une décision qui ne va pas dans l'intérêt général. Donc, la Fédération française de golf est furieuse de cette décision qui a été prise par le CNOSF, et on l'a fait savoir, parce que si lutter contre des ennemis, c'est évidemment, ça fait partie de la règle du jeu, mais lutter contre des gens qui doivent normalement représenter les instances du sport et qui doivent faire partie de la même famille, ça, c'est beaucoup plus ennuyeux. Et alors, quel moyen vous avez pour lutter contre le CNOSF, pour vous imposer par rapport à ça et pour faire entendre votre voix auprès du gouvernement ? Ça ne vous a pas échappé que la lettre qu'on a envoyée hier au président et au Premier ministre a été signée par 5 fédérations. Mais il y a un potentiel d'une quinzaine de fédérations qui peuvent se lier à la Fédération française de golf. Et moi, j'y vois un intérêt extrêmement important parce que si demain on arrive à fédérer une fédération des sports de plein air, là, on ne va pas représenter 400 000 licenciés, on va représenter 10 millions de licenciés. Et moi, je n'ai pas envie de laisser au CNOSF la possibilité de parler au nom de la Fédération française de golf. Je veux pouvoir parler
au nom de la Fédération française de golf et de fédérations qui ont les mêmes intérêts que la Fédération française de golf. Or, les fédérations qui ont le même intérêt que la Fédération française de golf, il y a à peu près une quinzaine de fédérations et il y en a, et ça représenterait à peu près 10 millions de licenciés. Et l'Élysée et Matignon sont déjà au courant de cette initiative qui a été initiée par la Fédération française de golf et qui est portée aujourd'hui par le cabinet de conseil qui nous accompagne, qui se trouve être aussi le même cabinet de conseil d'un certain nombre d'autres fédérations et qui ont tous approuvé cette demande que j'ai faite parce qu'ils comprennent bien que pour pouvoir se faire entendre, il vaut mieux représenter le plus grand nombre de voix. Pascal, est-ce que certains internautes, pardon, vous ont reproché d'avoir attendu le 19 novembre pour envoyer une lettre? Qu'est-ce que vous leur répondez? Ben moi, je suis tout à fait prêt à écouter toutes sortes de reproches. Et d'ailleurs, vous savez, il faut aussi regarder. Hein. Moi, je reçois énormément de courriers, de lettres, de personnes qui sont très satisfaites de l'action de la fédération. Maintenant, ceux qui pensent que la fédération n'a pas communiqué comme elle aurait dû communiquer. Je ne peux que m'insurger contre ça parce qu'il faut se rappeler ce qui s'est passé au premier confinement. Le premier confinement, il a duré, je crois, 9 semaines. Et pendant les 2 premières semaines, on n'a pas pris la parole. On n'a pas pris la parole parce qu'il y a un effet de choc et que le gouvernement a d'autres choses à faire que d'entendre la voix du golf français. Là, dans les 15 premiers jours, c'était exactement la même chose. Il y avait un conflit qui intégrait la réouverture ou pas des commerces dits essentiels et tout le débat était autour de ces commerces dits essentiels. Et le golf, même si on a repris contact dès les premiers jours avec nos interlocuteurs qui sont les mêmes, hein, au ministère des Sports, au ministère de l'Éducation, à l'Élysée et à Matignon, on était totalement inaudible parce qu'il y avait d'autres choses auxquelles étaient plus sensibles ces interlocuteurs-là. Par contre, à partir du moment où vendredi dernier, on a reparlé, notamment M. Le Maire a reparlé d'une ouverture potentielle des commerces dits non essentiels, là, évidemment, on a intensifié nos appels et c'est à ce moment-là qu'on a décidé avec les 5 autres fédérations parce que si Jean-Loup Charron avait fait seul cette lettre, je pense qu'elle n'aurait pas eu le même effet. Là, avec les 5 fédérations, on représente plus de 3 millions de licenciés. Donc, on le sait, puisque le président Macron a lu la lettre, on est persuadé que le président Macron a lu la lettre. Évidemment, M. Castex aussi. Évidemment, si la fédération l'avait envoyé, peut-être qu'il l'aurait lu. Mais en attendant, là, on représente 2,5 millions de licenciés et ce n'est pas la même chose. Donc, en termes de communication, j'ai repris les notes. Hein. Le confinement, c'était le 29 octobre. Christophe Mounieza a communiqué le 9 novembre. J'ai fait un live sur le réseau de la Fédération le 10 novembre. Christophe Mounieza a recommuniqué sur Golf Planet le 13 novembre. Christophe Mounieza a fait son interview avant-hier, le 18 novembre. Il y a la publication de la lettre du président Charron et des 5 autres fédérations. Et aujourd'hui, je suis en face de vous. Donc, le premier confinement, ça n'avait pas du tout été comme ça. On avait commencé à faire le live, on avait commencé à parler ensemble au bout d'un mois et demi de confinement. Donc, ça ne sert à rien. Il ne faut jamais confier. Enfin, il ne faut pas se tromper. Ça ne sert à rien de se précipiter. Il y a toujours une question de timing pour être audible. Et moi, je suis persuadé qu'on l'a fait dans le bon timing. Après, il y a ce dont les licenciés sont au courant, ce dont les golfeurs sont au courant, et il y a ce qui se passe en coulisses. Et il y a malheureusement un certain nombre de choses que je ne peux même pas dire ici parce que ça fait partie d'une stratégie où, dans cette stratégie, on a déjà intégrer le fait qu'on puisse rouvrir la semaine prochaine, samedi prochain. Et évidemment, je serai le plus heureux de pouvoir vous annoncer ça. Il faudra comprendre que derrière tout ça, il y a énormément de travail. Et si malheureusement, on n'ouvre pas samedi prochain et que je n'ai pas la certitude qu'on peut rouvrir dans un délai très rapide, alors sachez qu'on a d'autres armes que je peux pas, dont je ne peux pas vous parler aujourd'hui. Pascal, donc vous l'avez dit, c'est soit samedi prochain, enfin en tout cas début décembre, soit pour les vacances de Noël. Christophe Mounieza, encore une fois sur son interview, disait qu'il y aurait un conseil de défense mercredi prochain et que c'est à ce moment-là qu'on saura si les golfeurs doivent retenir leur souffle. Mais le job, je dois le faire maintenant. Et le job, on le fait déjà depuis une semaine. Je ne vais pas rentrer en détail sur ce que je fais, mais enfin, les,
ceux qui me connaissent le sachent, je lâche rien et là je lâcherai rien. Si on a réussi à être déconfiné la première fois dans la première vague, c'est parce que les équipes de la fédération, et je leur rends encore un hommage, les équipes font un travail fantastique. C'est, vous savez, la lettre qu'on a vue hier, on croit, bah oui, ça suffit de faire une lettre. Mais non, il ne suffit pas de faire une lettre. D'abord, vous pensez à la faire tout seul. Après, vous vous dites, mais c'est une connerie, parce que tout seul, on va représenter 425 000 licenciés. Si on veut taper fort, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on soit plus gros. On appelle d'autres fédérations. Il y en a qui vous disent oui, après qui vous disent non. Une fois que vous avez fait le courrier, chacune des fédérations veut refaire le courrier à sa façon. Ensuite, il faut avoir la signature des présidents. Ensuite, il faut l'envoyer. Une fois qu'on l'a envoyé, il faut être certain que Macron va la lire. Il faut être certain que Castex va la lire. Il faut être certain que les conseillers vont la mettre sur le bureau du président pour qu'il soit en haut de la pile. Et ça, les licenciés qui me font les critiques que je vois de temps en temps sur Facebook, ils pensent que je fais quoi? Mais je suis à fond. On s'en doute, Pascal. D'ailleurs, il y a plutôt des messages d'encouragement. Si on rouvre, Pascal, quand on rouvre, est-ce qu'on a déjà une idée? Ce sera comme le 11 mai, ce sera les mêmes précautions sanitaires. Il y aura les mêmes précautions pour le drapeau, pour les râteaux. Est-ce qu'on en sait un peu plus à ce oui, niveau-là? Non, mais ce que le gouvernement veut absolument éviter, ce sont les brassages. Donc déjà, on nous a dit, dans un premier temps, mais les sports outdoor, vous serez déconfinés en même temps que les jeunes. Et après, on nous dit, mais l'attestation va rester valable. Donc, il va falloir juste expliquer, et c'est ce qu'on a fait pendant 2 jours, parce que ça prend 2 jours, d'aller expliquer que rarement les golfs sont à moins d'un kilomètre de là où vous habitez. Donc, l'attestation, elle ne peut plus être valable pour le golf. On nous dit, mais on ne peut pas faire de dérogation. Donc, à ce moment-là, il faut qu'on leur parle de la dérogation qui a été faite pour les chasseurs. On leur parle de la dérogation qui a été faite pour l'équitation. Et à ce moment-là, on nous dit, oui, préparez-nous un type de dérogation. Donc là, on a préparé des types de dérogation qui pourraient être délivrés en plus de l'attestation par les directeurs de club, puisque comme lors du premier déconfinement, pour pouvoir jouer au golf, il faudra forcément avoir un départ et vous ne pourrez arriver que, je crois, une demi-heure avant votre départ pour faire un quart d'heure de practice et ensuite vous partez directement à votre départ pour éviter les brassages. Et donc les directeurs, quand il y aura eu prise de rendez-vous et prise d'un green fee, prise d'un tee time, pardon, eh bien, les directeurs enverront une attestation justifiant le fait que ce déplacement est bien fait pour se rendre à une activité de loisir de plein air. Pascal, 6 mois après, on le dit, est-ce que la cause du golf a avancé? Parce qu'il y a quand même, il ne s'est rien passé dans les golfs en France, je crois qu'il n'y a quasiment pas eu de contamination ou de cluster. Est-ce qu'on a l'impression que vous êtes reparti pratiquement de zéro? On n'a pas l'impression que ce soit plus facile qu'il y a 6 mois, qu'il y a exactement les mêmes problèmes et les mêmes négociations qu'il y a 6 mois. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Mais parce que ce n'est pas le déconfinement du golf qui est en question, c'est le mode de déconfinement qu'a choisi le gouvernement. Aujourd'hui, il y aurait un sport qui serait traité d'une façon différente que le golf. Mais je hurlerais et croyez-moi, je serais même le premier, j'appellerais les licenciés, j'appellerais les golfs et je leur dirais on ne peut pas se laisser traiter comme ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sport, c'est le sport en règle générale qui a été maltraité, ce n'est pas le golf. La méthode de confinement qui a été choisie, et là, quand même, ma persuasion a des limites. Il y a un mode de confinement qui a été choisi par l'État. Ce mode de confinement, c'est celui qui dit qu'on ne peut pas aller à plus d'un kilomètre de chez soi et qu'on a le droit de sortir qu'une heure et qu'il n'y a aucun sport qui peut être pratiqué. Il y a la chasse où il y a eu cette dérogation pour un certain nombre d'espèces, pour des espèces dites nuisibles. Et je l'ai dit aussi la dernière fois, on peut comprendre, on se moque des chasseurs. Moi, je ne me moque pas d'eux parce que quand les golfeurs ont leur parcours qui sont saccagés par des sangliers, vous laissez, moi j'ai discuté avec le président de la fédération de chasse parce que je voulais comprendre, il m'a expliqué ce qui se passait quand on ne chasse pas le sanglier pendant une saison, mais ça fait des ravages qui sont des ravages énormes et les golfs en seront les premiers touchés. Donc il y a la dérogation qui a été donnée pour la chasse, tout à fait logique, et une deuxième dérogation pour la maltraitance, pour lutter contre la maltraitance animale par rapport au centre d'équitation. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas un autre sport qu'on peut pratiquer et où le golf a été moins bien traité. Il y a le golf, par exemple, on parle du foot, mais vous ne pouvez pas aller organiser un match de foot avec votre fils
sur un stade. C'est pas vrai. Il peut y avoir un match de foot de Ligue 1, comme demain. Ceux qui me critiquent, là, ils n'ont qu'à mettre un fonds de dotation pour les pros et puis ils mettent de l'argent et on va organiser demain, sur le parcours qu'ils souhaitent, une compétition professionnelle. Ça, on peut le faire, exactement comme le foot. Donc, on n'est pas moins bien traité que les autres. On est traité exactement de la même façon. Après, on peut dire que le sport, en règle générale, n'a pas été correctement traité. Et là, j'en reviens à la même chose que je vous ai dit tout à l'heure. Ceux qui devraient nous défendre, c'est le CNOSF. Et justement, Pascal, pourquoi alors, dans le premier confinement, on a l'impression que ça s'était mieux passé. Pourquoi cette fois le CNOSF joue sa partition ? C'est pas vrai. Le CNOSF, qu'est-ce qu'il avait dit la dernière fois lors du premier confinement ? Il avait dit tous les sports ou rien. Ça veut dire que lui, il faisait même pas de différence entre les sports outdoor et les sports indoor. Donc, c'est exactement la même chose. Parce qu'eux, il fallait déconfiner le foot en même temps que le golf. Évidemment, la fédération de foot, c'est quand même une fédération qui pèse beaucoup plus lourd que le golf. Simplement, eux, même le foot, ils ont eu un vrai problème de communication parce que finalement, nous, on a parlé au nom de la filière. Il n'y a toujours que la fédération qui a pris la parole. Et encore là, une fois, dans ce confinement, il n'y a que la fédération qui a pris la parole. Mais là, on a pris la parole au nom de toute la filière, ce qui n'a pas été le cas d'autres fédérations comme le football. Vous avez eu les clubs qui ont parlé, vous avez la fédération qui a parlé, vous avez le foot pro qui a parlé. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé ? Chut, rien du tout. Et regardez pour le tennis. Malheureusement aussi, le tennis... qui s'est battu peut-être un peu seul au premier confinement, n'avoir qu'une jauge de 1000 personnes pour Roland-Garros, ce n'est pas une mesure qui a été très juste pour le tennis. Pascal, il y a des questions des internautes, notamment qui reviennent sur les écoles de golf. Qu'en est-il des écoles de golf ? Est-ce que celle-là, justement, pour les jeunes, est-ce qu'elles pourraient rouvrir avant ou non ? Ce sera tout le monde en... Non, mais elles pourront rouvrir si, malheureusement, c'est le dogmatisme qui prévaut et qu'il n'y a que les jeunes qui sont déconfinés. Ce qui serait, comme je l'ai dit, une erreur énorme. Alors, on sera ravis pour les jeunes. Et bien sûr, on appellera les golfs pour qu'ils puissent les ouvrir pour les enfants. Mais ça voudra dire qu'on n'a pas été entendu par notre ministère de tutelle et par le gouvernement. Pascal, pour la réouverture, qu'est-ce qui pèse le plus, encore une fois, on l'avait évoqué il y a 6 mois, est-ce que c'est le fait que le golf soit un sport, je ne sais pas si on doit dire Covid compatible ou à distanciation sociale, ou alors c'est le poids de la filière économique du golf ? Quel est encore l'atout le plus fort que vous ayez dans la manche cette fois-ci, Pascal ? Le plus important, c'est le point de vue sanitaire, parce que si vous n'êtes pas compatible avec... Si vos protocoles sanitaires ne mettent pas à l'abri les membres des clubs et le personnel qui y travaille, on n'est pas des malades, on ne va pas renvoyer les gens à l'abattoir. Donc, ce qui est le plus important au départ, ce sont les protocoles sanitaires et si les protocoles sanitaires sont, comme vous le dites, compatibles ou pas. Bon, ça, ils sont évidemment compatibles parce que non seulement ils ont été correctement pensés, mais en plus, et ils ont fait leurs preuves lors du premier déconfinement. Mais après, derrière tout ça, c'est ce que j'ai envie de dire à ceux qui parfois ne prennent pas une décision dans l'intérêt général. En plus de tous ces golfeurs qui ont envie de jouer au golf, il y a derrière une véritable filière. Il y a une filière des personnes qui travaillent. Le poids du golf, c'est 1,5 milliard. Il y a des emplois, il y a des entreprises. Et si, encore une fois, ces mesures devaient être prises au détriment de la sécurité sanitaire, mais évidemment, on ne le ferait pas. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, certainement, si on arrivait à être déconfiné la semaine prochaine ou au début du mois de décembre, évidemment, on serait sur des protocoles qui seraient des protocoles très stricts. Et je ne demande pas qu'on rouvre les restaurants alors que les restaurants de centre-ville et les bars sont fermés. Donc, on repartira sur le même protocole avec de la vente à emporter. Mais déjà, si les golfs peuvent ouvrir, c'est déjà un vrai poumon vert pour tout le monde. Je veux dire, ça nous permettra de respirer, ça permettra aux golfs de revivre, ça permettra aux golfs de vendre des green fees et c'est évidemment très important. Et justement, dans votre discussion en premier lieu avec le ministère, mais avec le ministère des Sports, mais après avec les autres ministères, est-ce que justement cette dimension, cette distanciation sociale possible au golf, est-ce qu'elle est mieux comprise maintenant qu'il y a 6 mois ? Est-ce que tout ce qui s'est passé au déconfinement, est-ce que le golf a marqué des points vis-à-vis de ceux qui nous représentent ou qui nous gouvernent ? Écoutez, l'ancien directeur de cabinet qui a changé, l'ancien directeur du cabinet de la ministre des Sports, qui maintenant est passé à l'agence du sport,
me fait l'amitié parce qu'il n'est pas du tout obligé de me prendre au téléphone. J'en avais très bien collaboré lors du premier confinement et c'est vrai que depuis qu'il n'est pas là, j'ai moins d'informations au ministère des Sports. Je l'ai eu il y a 2 jours et il m'avait promis de revenir vers moi et je l'ai eu ce matin au téléphone. Et ils ont parfaitement compris qu'on ne pouvait pas traiter les sports indoor et les sports outdoor de la même façon. Alors qu'au premier confinement, lors de la première vague du premier déconfinement, c'était vraiment des points sur lesquels il avait failli se battre. Il avait fallu se battre. Là, ils l'ont intégré, ils l'ont compris. Donc, c'est plutôt un point favorable. Et puis, on a quand même aussi le fait que nos protocoles sanitaires aient fait leur preuve et qu'il n'y ait pas eu de cluster lors de la première vague du premier déconfinement est quelque chose de très important. Et on a joué toutes les compétitions. Enfin, cette année, ça a été. Je vais avoir les chiffres parce que là, les services de la direction technique vont nous les sortir. Mais en nombre de tours par rapport aux autres années, je crois qu'on va être supérieur au nombre de tours de l'année 2019. Tout simplement parce que la fédération a mis en place avec les ligues, a reprogrammé un maximum de compétitions qui ont pu être remises enfin qu'on a pu reprogrammer. Et tout le monde avait très envie de jouer. Et donc à la fin, on a tous joué beaucoup plus de tours que ce qu'on avait l'habitude de jouer parce qu'il y a eu cette période de privation. Pascal, les chiffres étaient sortis juste avant le confinement ou à peu près en même temps. La Fédération de golf est l'une de celles qui s'en est le mieux tirée cette année par rapport au renouvellement des licences, moins 3% simplement, je pense. Quel est l'état financier de la Fédération et des golfs français alors qu'on est quasiment à la fin de l'année? Et quelle est la part de ce deuxième confinement? À quel point fait-il à nouveau mal à la Fédération et au club, Pascal? Alors, si il n'y avait pas eu le confinement, on aurait terminé à moins 3% et on va terminer à moins 4%. On continue, certains licenciés achètent des licences et on leur en remercie, mais il y en a quand même beaucoup moins que si on n'avait pas été que si on avait été déconfiné. Donc, on va terminer à 4%. D'un autre côté, il y a aussi eu des dépenses qu'il n'y a pas eu, que la fédération n'a pas eu. La fédération est extrêmement bien gérée et c'est d'ailleurs souligné par la Cour des comptes à chaque fois que nous avons des contrôles. Le travail que Christophe Mounieza a fait avec toutes les équipes a été extrêmement important. On a bénéficié, comme des entreprises, du chômage partiel. Et la fédération n'est pas en danger. On va évidemment pas faire une bonne année cette année, mais la fédération n'est pas en danger. Et d'ailleurs, comme on a repris un plus grand nombre de licences que ce qui avait été prévu, on a tout de suite réinvesti cet argent et on a lancé en septembre une campagne de 500 000 euros qui a été saluée par le groupement des golfs associatifs, mais également le groupement des golfs commerciaux. Donc, la filière n'est pas en danger. Certains golfs, mais c'est comme les entreprises, ceux qui étaient déjà dans un état difficile, qui avaient des difficultés au niveau de leur gestion avant le Covid, se retrouvent évidemment dans une situation qui est plus grave, d'autant plus qu'ils n'ont pas pu bénéficier du PGE. Mais par contre, notamment les golfs associatifs, eux, ont fait une bonne année. Je pense même une meilleure année qu'une année habituelle, tout simplement parce qu'ils avaient déjà rentré avant le premier confinement une grande partie des cotisations et qu'ils ont eu moins de frais sur le restant de l'année. Et pour les golfs commerciaux, eh bien là aussi, il y a quand même eu un nombre de tours qui ont été enregistrés, qui ont été supérieurs à ceux qu'on pouvait imaginer lors des premières semaines du premier confinement. Pour revenir aux golfeurs professionnels, on sait qu'ils étaient à part dans ce confinement. Contrairement au premier confinement, ils avaient le droit de s'entraîner. Qu'est-ce que la PGA et la Fédération ont fait et comment ça se passe pour les golfeurs professionnels français ou de haut niveau qui voulaient s'entraîner ou qui s'entraînent pendant cette période-là, Pascal? Alors nous, on sait, pour les pros, on n'a pas eu à se battre. Ce serait mentir que de dire qu'on a dû se battre, tout simplement parce que le golf professionnel a été aidé par les mesures qui ont été prises pour le foot professionnel. Et nous, on s'est greffé derrière ce qui a été mis en place pour le foot. Et donc, nos professionnels ont pu s'entraîner comme les grandes fédérations ayant des sportifs de haut niveau professionnels. Par contre, il a fallu faire rouvrir un certain nombre de golfs et je remercie les golfs qui ont joué le jeu parce qu'aujourd'hui,
Alors que les golfs sont fermés pour les membres ou fermés pour les droits de jeu, accepter de les ouvrir pour des professionnels qui ne payent pas, puisque généralement ils sont invités dans ces clubs, c'est vraiment un effort que font les clubs et je remercie aujourd'hui tous les clubs qui nous ont donné ce coup de main. Par contre, on s'est battu. Alors pour les athlètes de haut niveau, là c'est la même chose. Alors on a reçu beaucoup de courriers pour des personnes qui ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas sur la liste des sportifs de haut niveau. Cette liste, elle est établie par le ministère et les attestations, elles sont faites directement par le ministère. Ensuite, il y avait le sport-études. Et le sport-études, c'est très compliqué parce que la mesure du gouvernement, elle était très encadrée et il fallait que ce soit un sport-études qui soit sur une unité de lieu. Donc, un, on a pu rouvrir tout de suite nos centres de performance et ça a été une bonne chose. Et ensuite, on s'est battu et on a étendu avec l'accord du ministère, un certain nombre de sports-études qui avaient des accords quand l'école avait des accords avec un golf pour que les athlètes puissent s'entraîner. Et là, encore une fois, ce n'est pas la fédération qui faisait les dérogations, mais c'est le chef d'établissement qui faisait, lui, la dérogation pour que l'élève puisse aller s'entraîner. Pascal, pas mal de questions aussi, évidemment, sur d'éventuels, je sais pas, remboursements ou diminutions de cotisations ou de licences. Qu'en est-il de ça? Est-ce qu'il y a des réflexions avec la DGF, le GEGF, le GFGA? Quelle est la position de la fédération? Qu'est-ce que vous Alors, pouvez faire? Ou voilà. moi, je l'ai déjà dit, hein, je pense que ce n'est pas dans des périodes difficiles qu'il faut tirer sur l'ambulance. Les clubs ont des difficultés, la fédération a des difficultés, mais elle est gérée correctement. Et le poids de la licence dans le budget global de ce que représente le budget des ménages n'est quand même pas un montant qui est très significatif. Et comme je vous l'ai dit, le nombre de tours, alors c'est vrai qu'il y a eu 2 mois pendant lesquels on n'a pas joué, mais je rappellerai aussi que certains hivers, en janvier et en février, il y avait du gel et on ne jouait pas. Et ce n'est pas pour ça qu'on vient demander des baisses au niveau de la licence ou des baisses au niveau des cotisations. Par contre, je peux vous assurer que le nombre de tours à partir du mois de mai, il a été extrêmement important, que les compétitions ont été reprogrammées, que la fédération a fait son travail d'abord pour arriver à faire en sorte qu'on soit déconfiné correctement. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la fédération a enregistré ces très bons chiffres en termes de licences. C'est parce que les licenciés ont certainement dû, dans leur grande majorité, se sentir fiers de faire partie de cette communauté de golfeurs et que tout le monde avait très envie de revenir jouer et qu'on reconnaissait le rôle positif que la fédération avait joué dedans. Mais la fédération, elle ne s'est pas simplement battue pour qu'on puisse revenir très rapidement au golf. Laurent Boissonnat, qui est le président du GEGF, donc le groupement des golfs commerciaux, Jean-Loup Charron a nommé Laurent Boissonnat pour que Laurent Boissonnat puisse représenter la filière du golf auprès des instances du ministère du Tourisme. Et on s'est battu pour avoir des mesures qui soient des mesures compensatoires par rapport à la période où on a été fermé. Et je dois même vous dire, parce que quand j'ai vu les montants que représentaient ces mesures, pour un club moyen, c'était notamment sur les payes de septembre, c'était aux alentours de 20 000 euros. Quand j'ai vu ces montants aussi importants, on a tout de suite déclenché avec Aurélien Didier une enquête pour savoir quels étaient les clubs qui n'avaient pas fait la déclaration. Parmi ceux qui nous ont répondu, il y en a plus de 25% qui n'avaient pas fait la déclaration pour pouvoir toucher les subventions qui étaient prévues par l'État. Donc Aurélien a fait un travail extraordinaire, il a appelé chaque golf, il leur a expliqué comment est-ce qu'il fallait faire, mais simplement, c'était des demandes qu'il fallait faire à l'URSSAF sur les payes de septembre limitées jusqu'au 10 octobre. Donc, comme ces clubs ne l'avaient pas fait, la fédération a été négociée avec l'URSSAF une demande de dérogation. C'est Christophe Mugnesa qui l'a négociée directement avec l'Élysée, avec le conseiller économique au niveau de l'Élysée. On a obtenu le droit de pouvoir avoir cette dérogation et de reporter la date qui avait été au 10 octobre. On l'a reportée au 10 novembre. Et comme il y en a encore qui avaient encore oublié, on a reporté au 10 décembre, mais là, on nous a prévenu que c'était la dernière date. Quand vous voyez des montants aussi importants, le fait de payer sa cotisation ou de payer sa redevance, il ne devient pas très important par rapport au montant que la fédération a réussi à obtenir pour aider ses clubs. Une autre question à l'instant, mais il y en avait d'autres qui étaient dans ce genre-là. Pour l'enseignement, ce sera comme pour le premier déconfinement, Pascal, ce sera si les golfs rouvrent, on pourra enseigner à nouveau. Ah bah oui, bien sûr. Alors,
Lors du premier déconfinement, je ne pense pas qu'il avait été possible de tout de suite réenseigner. Je pense que c'était intervenu dans un deuxième temps, mais je veux pas vous dire de bêtises. Là, en tout cas, non, je pense que c'est comme pour le premier confinement. Le premier confinement, au départ, il n'avait pas été possible d'enseigner. Et d'ailleurs, les practices n'avaient été ouvertes qu'avec une limitation de 15 minutes avant chaque départ. Et là, on va rentrer dans les mêmes mesures. Donc, au niveau de l'enseignement, ça n'interviendra que dans un deuxième temps. Avant de conclure, peut-être de revenir un peu sur les prochains jours, parlons de l'année prochaine. Est-ce que le calendrier, en tout cas pour les amateurs, se prépare normalement? Oui, il devrait y avoir une année 2021 normale? Ah ben, en tout cas, nous, on fait un calendrier normal. Et malheureusement, si on avait encore des problématiques de confinement, eh bien, on remodifierait le calendrier avec la même réactivité que ça a été fait lors de l'année 2020. Mais vous savez, moi, j'ai depuis le mois de septembre, non, pas depuis le mois d'août, j'ai eu des pressions pour arrêter les compétitions en septembre parce qu'on me disait qu'il ne fallait pas qu'il y ait les compétitions par équipe de vétérans. Ensuite, il y a eu les compétitions. Moi, j'ai tenu bon et j'ai dit que notre ministère de tutelle nous avait demandé de faire jouer toutes les compétitions de toutes les catégories d'âge. Vous imaginez si j'avais écouté ces personnes qui étaient nombreuses, hein, et j'ai les courriers, j'ai les mails de ces personnes qui me demandaient de ne pas faire jouer les compétitions de vétérans au mois de septembre, qui trouvaient scandaleux que la fédération fasse jouer ses compétitions, et si les personnes ne venaient pas, elles étaient rétrogradées d'une division. Vous imaginez maintenant avec la proposition du gouvernement qui dit qu'il y a un déconfinement par âge, si nous-mêmes on avait appliqué une différenciation au niveau de l'âge, comment moi aujourd'hui j'aurais pu me battre avec le gouvernement? Donc j'ai tenu bon pour les vétérans. Ensuite, ça a été les seniors. Ah non, mais les seniors, c'est pas possible. Les seniors, c'est 50 ans, hein, et j'en fais partie. Ah non, mais c'est dangereux pour les seniors, il ne faut pas qu'ils aillent faire de compétition. On a tenu bon, on a programmé toutes les compétitions. Après, ça a été les interligues U12. Ah non, mais ce n'est pas raisonnable d'envoyer des enfants des interligues U12 dans des bus et tout. On l'a fait, il n'y a eu aucun cluster. Après, il y a eu les championnats de France qu'on a reprogrammés 3 fois pour finalement les mettre pendant les vacances de la Toussaint, et tout s'est très bien passé. Donc, tout ça, ce n'est pas par magie. Si on ne soutient pas sa fédération, si on ne peut pas avoir les bénévoles qu'on a en place, si on ne peut pas avoir la qualité des permanents qu'on peut avoir en place pour être réactif et justement reprogrammer toutes ces choses-là, ben non, on ne peut pas le faire. Et là, toutes les compétitions qui ont pu être reprogrammées, elles ont toutes été reprogrammées. Et on a même été exemplaire au niveau européen puisqu'on est la première fédération à avoir accueilli un plus grand nombre de compétitions internationales, des championnats d'Europe, notamment de plusieurs types de divisions et de plusieurs types d'âges qui ont été reprogrammés en France parce que d'autres fédérations ne voulaient pas jouer le jeu et accueillir les compétitions. On sait qu'il n'y a eu aucun tournoi du Challenge Tour l'année dernière en France, évidemment pas d'Open de France non plus. Qu'en est-il du calendrier professionnel l'année prochaine sur ces épreuves-là, Pascal? Ben ça, c'est plus une question qu'il faut poser à Kispelli parce que c'est lui aujourd'hui qui est à la tête du circuit européen. Moi, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a des sponsors si demain, on doit organiser un très grand tournoi professionnel. Sauf qu'aujourd'hui, notre tour de tutelle, qui est le tour européen, ne sait pas faire un grand tournoi. Et aujourd'hui, je ne peux pas aller demander à des sponsors des sommes qui sont comparables à celles qui sont engagées au niveau du PGA Tour si je n'ai pas une garantie du champ. Vous allumez votre télévision et vous voyez la différence qu'il y a entre le PGA Tour et l'European Tour. Moi, je veux le champ du PGA Tour. On a les sponsors pour soutenir des tournois du PGA Tour. Pour ça, il va falloir que le Tour européen prenne des décisions. Et s'il ne les prend pas, ou bien il sera repris par le PGA Tour ou par un autre fonds. Et j'ai eu au téléphone il y a 2 jours Tai Voto, qui est le numéro 2 du PGA Tour, et je lui ai confirmé que la Fédération française de golf, ou bien si elle reprenait le European Tour, la Fédération était prête à être le premier partenaire en Europe continentale de la nouvelle entité. Et si jamais le European Tour n'était pas prêt à se transformer, eh bien, nous, on était prêts à travailler avec le PGA Tour et faire un tournoi, le premier tournoi du PGA Tour sur le sol européen. Et on a les partenaires financiers pour pouvoir le faire. Il ne faut pas aller me raconter qu'il n'y a pas d'entreprises en France qui ne sont pas capables de soutenir un tournoi français. Ils seront capables de le soutenir, mais les plus grosses sociétés qui sont capables de mettre des sommes d'argent aussi importantes, elles sont aussi très exigeantes. Or, elles ne paieront pas 7 millions de dollars pour avoir 2 ou 3 joueurs du top 50. Ça n'existe pas.
Pascal, on aura l'occasion d'y revenir. Pour conclure, pour ceux qui n'étaient pas là au début, évidemment, ce qui les intéresse d'abord, c'est la pratique, leur pratique, la réouverture des golfs. Alors, refaites-nous pour terminer un point sur la possible réouverture des golfs en France. Alors, deux possibilités. Ou bien il y a un déconfinement des plus jeunes qui se passe dans une première vague, donc à partir de la semaine prochaine. Et les sports à outdoor étendus à des classes d'âge plus élevées pourraient intervenir une semaine, deux semaines ou trois semaines après. Ou bien, et c'est ce que nous préconisons à la fédération, mais aussi aux autres fédérations qui sont alliées avec la Fédération française de golf, ce qu'on préconise nous, c'est un déconfinement total de tous les licenciés, de tous les golfeurs, de toutes les tranches d'âge à partir de la semaine prochaine. Je veux absolument pas vous dire que je suis certain d'y arriver. Par contre, ce que je peux garantir, comme à chaque fois, c'est l'énergie que je vais mettre, mais également celle des équipes de la fédération, pour qu'on arrive à nos fins. Et pour revenir sur ce que disait Christophe Muñeza, c'est donc mercredi prochain, le moment décisif, c'est mercredi prochain au Conseil de défense qu'on saura exactement quel est le sort des sports de plein air et donc le sport du golf, Pascal. Exactement, exactement. Là déjà, je pense que c'est pas un secret, c'est déjà passé c'est déjà passé sur les radios, mais les commerces dits non essentiels devraient pouvoir eux être déconfinés à partir de la semaine prochaine, avec une jauge de un client pour 8 mètres carrés. Et c'est évidemment cette date-là que on se fixe également pour déconfiner tous les golfs. D'accord. Et la décision va être prise comment ? En concertation avec le ministère des Sports ? Le CNOSF intervient, non ? Ou le CNOSF a perturbé le dialogue ? Comment ça se passe, Pascal ? Le CNOSF, il a donné un avis au président Macron. Ensuite, c'est les arbitrages qui se font au plus haut niveau de l'État. Pour appuyer notre demande, j'ai eu ce matin un éminent professeur de l'Académie de médecine qui va nous produire une note pour lundi. Justement pour dire que pour les sports outdoor, il n'y a aucun problème pour que ces sports puissent être déconfinés et qu'au-delà même des problématiques liées à la crise sanitaire, il est même au contraire extrêmement bon de pouvoir pratiquer un sport outdoor. Et c'est M. Véran qui ce matin, je crois, disait que les Français étaient perturbés par ce confinement, qu'il pouvait y avoir des séquelles mentales liées à ce confinement. Eh bien, les sports d'outdoor, et maintenant vous remarquez, je ne parle pas uniquement du golf, mais je parle des sports outdoor parce que c'est une meilleure façon, à mon avis, de se faire entendre de la part du gouvernement. Les sports outdoor sont évidemment une solution pour éviter ces problématiques liées à la santé mentale. Et alors, pour conclure, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu actuellement le CNOSF contre les sports de plein air et que c'est un peu une bataille qui se joue à ce niveau-là dans les ministères, Pascal ? Je veux pas stigmatiser le CNOSF, mais j'ai du mal à comprendre la position du CNOSF quand le CNOSF prône un déconfinement par tranche d'âge. Et je le comprends un peu plus quand les grosses fédérations qui sont le plus présentes au CNOSF ont 85% de leurs licenciés qui ont moins de 20 ans. Donc, je me dis que c'est une mesure politique et pas une mesure qui va dans l'intérêt général. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt général. Si jamais, pour l'intérêt général, c'était pas bon que le golf soit déconfiné, et quand au premier confinement, on parlait ensemble, je vous disais, tant que les parcs et les jardins ne sont pas rouverts, je pense pas qu'il soit une bonne chose de demander l'ouverture des golfs. Donc, je pensais à l'intérêt général. Et là, ce que je regrette, c'est que le CNOSF n'a pas pris une décision qui soit dans l'intérêt général. Merci Pascal Grisot d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la Fédération française de golf. Donc on croise les doigts pour la semaine prochaine et puis peut-être qu'on se retrouve pour évoquer cette fois le déconfinement et la réouverture des golfs. Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous. Merci à Rémi Rivière qui était une nouvelle fois à la réalisation de cette émission. Et puis pour les passionnés de golf, eh ben, vous pouvez retrouver un live payant d'ici quelques minutes à 18h. Exactement, pour éviter de prendre trois putts sur les greens. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur le Facebook du Journal du Golf.